ciao, benvenuti alla fête du pois chiche. Moi, je fais la fête du pois chiche depuis que je suis toute petite, parce que j'habite ici en fait, j'habite à Montaran. C'est fondamental, il faut connaître le pois chiche. Il y a deux histoires, parce que moi, j'ai pas celle-là. Bravo! On se dit, ça c'est un totem, ça donne envie. Moi j'aime bien le pois chiche, j'aime bien la musique, donc du coup le mélange des deux, ça j'aime bien. Non mais il y a deux histoires, et moi j'ai oui. pas la même que la tienne. Ah bon. Alors, il y a deux histoires. Il voilà. y a l'histoire de ce militaire qui est... Le Romain qui est... Oui. Moi je viens de Saint-André-de-Saint-Gonis. Donc l'animal totémique, c'est donc le porc nègre, donc le cochon noir. Et donc l'histoire, c'est qu'à Saint-André, il y avait... On dit un roi, mais... Je pense pas qu'à Saint-André de Saint-Gonis on ait eu un roi. Et alors quelle est ta plus belle prise de vue? Alors, cette année, j'ai tout donné. J'ai une prise de vue incroyable. J'étais dans le secret des dieux. J'ai pu suivre Pois Chiche masqué. Donc c'est un roi qui voulait marier sa fille. Calou. Calou. Et sa créature. Totem. Camel des deux yeux. Pauline des pézenas. Pois chiche. Logiquement, on devrait t'habiller en bleu. Non. Et du coup, il a dit, je poserai une pomme sur le porche. Sous le porche. Le premier qui viendra la manger aura la main de ma fille. Qui était laide. Pour le pois chiche. Pour le pois chiche, je sais pas, mais il y a quand même des poissons qui sont mieux adaptés pour les aquariums. Ouais. Ouais, tu penses à quoi? Je sais pas, tous les poissons ne sont pas des bons poissons d'aquarium. Ouais. Ah, je croyais que tu allais me prendre. Ah oui. Retiens la nuit, ou nous deux, c'est la fin du monde, serre-moi fort de ton cœur, il faut que j'ai les folies, je t'en supplie. À l'infini, retiens la nuit. On fait une lance ? Je connais ça, c'est tout. Pour une vraie politique de libéralisation des emplois. Pour une vraie politique. Bonjour, on vous présente la Baragogne. Ben donc là, en fait, la baragogne, donc c'est un animal totémique, on a décidé de faire des petits. Donc on a décidé de faire des petits qu'on porte. Une petite baragogne. Quand se lève le soleil, pois chani, pois chada. Les scouts sonnent le réveil, pois chani, aïda. Cet animal totémique qui est la baragogne. Donc comment c'est venu,
comment est venue l'idée. Donc, il a peut-être dit, non, les gens. Non. Mais il faudrait connaître la vraie, vraie histoire. Bah, parce que c'est ça. Ah ben moi, je voulais savoir le livre. Je l'ai c'est celui-là. Moi, je n'ai pas parlé de la Baragone. J'en ai parlé parce que André m'en avait parlé. Je crois que cette fois-ci, j'ai un peu trop abusé de l'alcool de chiche. Avec la chance qu'on a d'avoir créé un peu ces petites barrières, tout ça, ça nous fait de l'intergénérationnel et ça nous fait aussi de l'inter-associatif. Donc essayer de rapprocher les associations du village qui ne sont pas du tout là-dedans. Mais voilà, mais grâce à ces petites barrières, je pense qu'on va écrire des histoires, des légendes et qui vont faire un peu du lien social là aussi. Donc tout ça, c'est lié. Et est-ce que le pois chiche te fait beaucoup péter? Ah oui. Et toi? Oui, beaucoup. C'est sûr. Demandez à Evelyne. Et la première personne qui est venue manger la pomme était un cochon. Un cochon noir. Donc, tout spawné. Je compte toujours chiche. Qui nous laisse sans voix. Qui entre dans l'histoire. Bien qu'il sorte par là. Libre paix. Libre paix. À Montaran, on a du pourpois chiche, on en a. À Montaran, on a du pourpois chiche, on en a. Pois chiche de Montaran, ça c'est du pourpois chiche, on en a. Pois chiche de Montaran, ça c'est du pourpois chiche, on en a.